Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider tous les jeunes apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du COVID afin qu'ils aient des liens avec les cours et elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision, mais également sur Internet. Chers amis candidats au brevet d'études fondamentales, aujourd'hui nous allons voir un cours de français qui sera présenté par Monsieur Adamou, destiné bien sûr aux élèves de la classe de 3e. Le titre de la leçon est l'impératif. Je vous demande donc à avoir vos stylos et vos calepins entre les mains pour prendre note et surtout être à l'écoute. Bonjour chers élèves, nous avons notre séance de cours d'aujourd'hui qui porte sur la conjugaison. Le thème c'est l'impératif. L'impératif. Pour vous permettre de prendre note, nous vous recommandons d'avoir de quoi écrire. Un cahier, un bic. Nous vous demandons aussi d'être à l'écoute attentif. Et l'objectif de ce cours est que vous devez être capable de définir le mot impératif sans vous tromper, identifier toutes les formes de l'impératif dans un texte sans difficulté, employer aussi l'impératif dans toutes les situations de communication. Comme annoncé, nous avons notre séance de cours qui porte sur la conjugaison, le mot impératif. L'impératif, c'est quoi l'impératif? Nous avons notre plan qui est le suivant. Nous allons voir la formation de l'impératif. Comment se forme l'impératif dans une phrase? Deuxièmement, nous allons aussi essayer de voir l'emploi de l'impératif. Dans quelle situation de communication nous devons employer l'impératif? Et nous allons aussi voir les cas des verbes pronominaux à l'impératif. En définition, qu'est-ce que nous allons voir? C'est quoi l'impératif? L'impératif est un mode impératif, comme son nom l'indique, qui sert à exprimer un ordre. Parce que l'impératif exprime un ordre. Un conseil, il sert aussi à exprimer un conseil, une exhortation, une prière, une défense. Il est formé de la deuxième personne du singulier et de première et la deuxième personne du pluriel. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, des sujets exprimés à l'impératif. Donc, l'impératif est composé de deux temps, le temps présent et le temps passé. Je reprends, je disais, l'impératif est un mot qui sert à exprimer un ordre. Exemple, quand un père s'adresse à son enfant, généralement, c'est dans un ton, n'est-ce pas, autoritaire. Nous avons aussi dans l'armée, les gens utilisent ce qu'on appelle l'impératif. Ça peut être aussi un conseil, ça peut être une exhortation, ça peut être une prière, ça peut être une défense. Donc l'impératif est formé de la deuxième personne du singulier et des deux, de la première et deuxième personne du pluriel, mais sans le sujet exprimé. Donc l'impératif est composé de deux temps. Nous avons l'impératif présent et l'impératif passé. Exemple, profite de la liberté. Vous voyez, profite de la liberté. C'est une exhortation, c'est un conseil, on dit profite de la liberté. On a aussi, ouvrez votre livre à la page 16, un exemple. Ouvrez votre livre à la page 16, n'est-ce pas? À ce niveau, nous avons aussi ce qu'on appelle une recommandation. Obéissons à nos parents. C'est un ordre. Obéissons à nos parents. Donc, nous avons les trois exemples qui sont là. Nous avons l'exhortation, nous avons l'ordre, nous avons aussi une autorité qui donne, par exemple, un ordre. C'est un commandant qui va donner un ordre à son soldat. Donc, il utilise ce qu'on appelle le mode impératif. La formation de l'impératif. Pour former la deuxième personne du singulier, la formation, disons, il est formé, n'est-ce pas, de la deuxième personne du singulier, tu, à l'impératif,
On utilise la première personne du singulier de l'indicatif et on supprime le pronom sujet qui devait être employé. Donc, on supprime le pronom sujet. Donc, la terminaison des verbes en ER est donc E. À l'impératif, la terminaison, c'est le E. On ne met pas le S, par exemple, à la deuxième personne du singulier. Les autres verbes se terminent en S. Les autres verbes se terminent en S. Par exemple, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe, etc. Pour la première personne du pluriel, cette forme est la même que celle de l'indicatif présent. Pour la première personne du pluriel, le « nous » par exemple, cette forme est la même que celle de l'indicatif présent. C'est le pronom personnel sujet qui disparaît. Vous voyez, à ce niveau, nous disons que le pronom personnel sujet disparaît. Donc, les verbes en ER et en RE ainsi que les verbes irréguliers se terminent par ONS. Donc, les verbes en IR du deuxième groupe en ISON. Exemple, dans le verbe parler, nous allons dire parlons. Verbe parler, nous allons dire parlons. Le verbe finir, nous allons dire finissons. Le verbe finir, nous allons dire finissons. Le verbe vendre, nous disons vendons. Alors que si c'est au présent de l'indicatif, nous allons dire nous vendons, nous finissons, nous parlons. Mais puisque c'est l'impératif, et l'impératif nous recommande aussi de supprimer, n'est-ce pas, le pronom sujet. Donc, nous disons « parlons », nous disons « finissons », nous disons « vendons ». Pour la deuxième personne du pluriel « vous », cette forme est la même que celle de l'indicatif présent. Seul le pronom personnel sujet disparaît également. Les verbes en « er », le verbe en « re », ainsi que quelques verbes irréguliers se terminent donc par EZ. Ça se termine par EZ. Les verbes en IR du deuxième groupe en IC. Par exemple, parler, nous allons dire parler. Parler, nous allons dire parler. Nous donnons l'ordre, nous disons parler simplement. Finir, nous disons finissez. Finir, nous disons finissez. Vendre, nous disons « vendez ». Maintenant, si nous faisons le récapitulatif de ces trois temps, entre trois personnes, « fini », deuxième personne, « finissons », première personne du pluriel, « finissez », deuxième personne du pluriel. Donc, nous avons l'impératif qui a les trois personnes conjuguées sans les pronoms sujets. Remarque, l'impératif est aussi utilisé dans la formule de politesse. Vous voyez, l'impératif est aussi utilisé dans les formules de politesse. Attendez, Madame Abdul, par exemple. Attendez, Madame Abdul. Ça peut être aussi l'impolitesse. Veuillez asseoir, veuillez vous asseoir, mon frère. Veuillez vous asseoir, mon frère. À ce niveau, nous allons aussi ce qu'on appelle l'impératif. On a aussi l'emploi de l'impératif. À quel moment nous devons employer l'impératif? L'impératif présent exprime non, pas le temps, mais l'aspect non accompli. Donc ici, c'est l'aspect inachevé de l'action. L'aspect non accompli, c'est l'aspect inachevé de l'action. Le passé est peu utilisé. Il exprime l'aspect accompli, achevé de l'action. Donc nous disons, l'impératif présent exprime non pas le temps, mais l'aspect non accompli, inachevé de l'action. Tandis que le passé, l'impératif passé, donc, est peu utilisé. Il exprime l'aspect accompli, achevé d'une action. Exemple, ayez rangé vos affaires quand je rentrerai. N'est-ce pas? Ayez rangé vos affaires quand je rentrerai. Vous voyez, à ce niveau. L'action exprimée par la forme composée, ayez rangé, doit être achevée avant celle qu'exprime le verbe au futur, rentrerai. Donc, je reprends. Ayez rangé vos affaires quand je rentrerai. Ayez rangé, n'est-ce pas? Donc, ici, nous n'avons pas dit vous devez ou bien
Vous, on n'a pas mis le « vous » quelque part. À ce niveau, c'est l'impératif passé. Donc, l'action exprimée par la forme composée et rangée doit être achevée avant celle qu'exprime le verbe « au futur rentrerait ». Maintenant, pour les verbes pronominaux, à l'impératif, le verbe pronominal vient en premier. Donc ici, à l'impératif positif, ici, le verbe pronominal vient en premier. Suivi du pronom réfléchi, représentant les deux sont liés par un trait d'union. Ici, il y a ce qu'on appelle le trait d'union. Dans l'impératif négatif, la défense par exemple, on utilise normalement le pronom réfléchi. Donc, lève-toi. Vous voyez? Lève-toi. Lève-toi, n'est-ce pas? Ne te lève pas. N'est-ce pas? Dans la négation, ne te lève pas. Alors, levons-nous. Vous voyez? Levons-nous. Il y a un renversement. Ne nous levons pas. Dans la négation, ne nous levons pas. À ce niveau, il y a inverse. Certains, en remarque, certains verbes ont un impératif irrégulier. Donc, on a aussi l'impératif irrégulier. Dans l'impératif irrégulier, nous avons, par exemple, le verbe aller. Vous voyez, dans le verbe aller, on dit va, allons, aller. Vous voyez, va, allons, aller. Mais c'est quoi un verbe irrégulier? Un verbe irrégulier, c'est un verbe qui, dans sa conjugaison, change pas des radicaux. Donc, le radical ne serait pas le même. Par exemple, le verbe aller, le radical devait être, par exemple, al, n'est-ce pas? Mais ici, on a dit va, allons, aller. À ce niveau, le radical n'existe pas. Donc, c'est pourquoi nous disons que c'est un verbe irrégulier. Donc, le verbe avoir, nous avons et, ayant, ayez. Et, A-I-E, ayant, ayez. Le verbe être, on dit soit, soyons, soyez. Soit, soyons, soyez. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Sache, sachons, sachez. Nous avons aussi ce que nous appelons le verbe vouloir. Veille, veillons, veillez. Veille, veillons, veillez. Pour les verbes se terminant par une voyelle, si l'impératif est suivi des pronoms adverbiaux « en » et « y », on ajoute un « s » pour faciliter la prononciation simplement. On dit par exemple « vas-y ». Vous voyez ?« Vas-y ». On peut dire aussi « allons-en ». « Allons-en ». À ce niveau, nous sommes aussi dans l'impératif, donc « allons-en ». Attention, l'impératif du verbe « s'en aller » à la deuxième personne du singulier « va-t'en, va-t'en, va-t'en. Allons-nous-en, allons-nous-en. Allez-vous-en. Vous voyez, allez-vous-en. Le verbe s'en aller. Le passé de l'impératif est formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent et du participe passé du verbe conjugué. C'est un temps ici très peu utilisé dans la vie courante de communication. Exemple, profiter, venir. Donc, et profiter, soit venu. Vous voyez, et profiter, soit venu. Soit venu, n'est-ce pas? Nous avons profité, on dit et profiter. Le verbe venir, on dit soit venu. Ayons profité, soyez venu. Ayez profité, soyez venu. Donc, voilà un peu ce que c'est l'impératif, la formation de l'impératif, l'emploi de l'impératif, et les cas de verbes pronominaux. Chers élèves, ensemble nous venons de suivre le cours de M. Adamou et j'espère que vous avez compris la leçon. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger le cours ou encore nous appeler au numéro 1317 pour poser toutes vos questions. Attention, le COVID est une pandémie mortelle, donc respectons les règles d'hygiène.